ça angoisse parce que les retraites sont petites déjà. On est obligé, même à la retraite, de continuer un peu à travailler pour pouvoir améliorer le quotidien. Et je trouve ça ouais, atroce. Ben, je trouve personnellement que ça va être un petit peu dur pour nos amis les retraités parce qu'il est bien évident que la vie, elle augmente. Il y a énormément de dépenses qu'on est amené à faire, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit à tous les niveaux. Donc moi, j'ai surtout une pensée pour les anciens qui ont des retraites souvent petites. Je trouve ça aberrant dans le sens où tous les produits, les taxes et autres augmentent, c'est une perte de pouvoir d'achat qui est assez conséquente. Hein. Moi, je ne serre pas trop la ceinture, disant que je travaille encore au Luxembourg, et en disant que bon, pour moi, ça va, mais bon, ça pourrait être mieux. Si nos revenus ils peuvent pas évoluer, ben, du coup, la vie elle s'arrête un petit peu, quelque part. Donc si ces gens-là s'en sortent déjà tout juste et qu'on ne leur donne pas la possibilité d'augmenter légèrement leurs revenus, ça va être de plus en plus dur pour eux, effectivement. C'est très difficile. C'est vrai que la vie est très chère hein, par rapport au salaire qu'on a actuellement. Quoi. Sauver le système de retraite, moi personnellement je suis jeune, donc je ne me sens pas encore très très concerné par ce problème. J'espère que je trouverai des solutions en ce qui concerne ma propre retraite, mais sauver le système, il est bien évident qu'il va falloir faire preuve de beaucoup plus de solidarité, clairement, et j'espère que la politique qui est en place portera ses fruits malgré tout. On peut sauvegarder dans le sens où il faudrait revoir tous les régimes, parce que vous savez, comme moi, le régime de fonctionnaire, c'est pas le même, c'est basé sur les 6 derniers mois, 75% de leur salaire. Il y a beaucoup d'avantages, etc. Il faudrait ramener tous les Français au même niveau. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, maintenant, avec la politique et tout ce qu'on voit, franchement, on ne sait plus à quel sein se vouer, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore.